6h-9h. Good morning, Safran. Et ça y est, il est arrivé. Il est bel et bien avec nous dans les studios. C'est MHD. Salut, MHD. Ça va très bien. Merci à toi d'être là. Bienvenue sur Move. Bon, MHD, toi et ton afro trap, c'est un phénomène de ouf hein, depuis un an grâce à tes clips sur YouTube. Et là, tu viens de sortir ton premier album intitulé tout simplement MHD pour... Mohamed, voilà ce que je disais. Depuis, tout s'est enchaîné très vite. Radio, télé, Canal+, Le Petit et Le Grand Journal, D8, touche pas à mon poste. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la consécration pour toi, car enfin, tu es dans Good Morning, Safran. Donc, merci à toi d'être là, en tout cas. Alors, tu as 21 ans, c'est ça? C'est ça. Et tu viens du 20-1. C'est ça, 19e. T'es d'origine sénégalo-guinéenne. Ouais. Alors, ton afro-trap vient plus, ton côté afro vient plus du côté sénégalais ou guinéen? Des deux, hein, des deux, c'est l'Afrique, tu vois. Donc j'ai pas choisi un camp spécial, je représente les deux en même temps. D'accord. Et donc c'est ta mère ou ton père qui est sénégalais? C'est, on demande pas c'est... de choisir entre ta mère et ton père. En fait. Non, c'est ma mère qui est sénégalaise, mais elle a grandi en Guinée, tu vois. D'accord. Et bon, mon père il est guinéen, donc ils se sont retrouvés en Guinée directement. Mmh. Alors on t'a déjà posé la question, tu l'expliquais un peu partout, mais rappelle-nous, l'afro-trap ça vient d'où? L'afro-trap ça vient d'où? Alors pour moi, l'afro-trap c'est un mélange de sonorités africaines et de text-trap. Mmh. Voilà, j'ai fait le mélange des deux et c'est ce qui a donné l'afro-trap tout simplement. Et est-ce que c'est toi qui as inventé le terme afro-trap? Non. Ah, le terme, ouais, afro-trap, le terme, ouais. Le mot, ah, l'expression. J'avais jamais entendu auparavant. Tu l'avais pas entendu, toi, avant? Tu l'as pas vu? Non, j'avais pas entendu, mais après, j'avais déjà entendu des personnes rapper sur des sonorités africaines, mais pas l'appeler afro-trap. C'était pas nommé, quoi. Donc maintenant, voilà. Tout le monde fait de l'afro-trap, entre guillemets. Mmh. Donc ça t'agace ou au contraire, ça te fait plaisir? Non, moi, ça me fait plaisir qu'ils suivent le mouvement. Mmh. C'est-à-dire qu'ils apprécient le délire et qu'ils, voilà, qu'ils aussi, ils ont envie de rentrer dans le mouvement afro-trap, tu vois. Toi, tu t'arrêterais à quel afro-trap? Parce que tu les as numérotés, il y a des titres. Voilà, et tout je, ça, me suis mais... au, je me suis arrêté combien? Je me suis arrêté au 6, si je ne me trompe pas. Après, tu as fait d'autres titres, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres titres qui s'appelleront par Afro Trap 7? Ouais, bien sûr, il y a d'autres Afro Trap qui vont arriver. Ouais, bien sûr. Comme Star Wars. Comme ça. T'avais un groupe avant le succès, je crois que le groupe c'était 19 Réseaux, donc ça dit quoi? Ça s'en est où? Bon, en fait, le 19 Réseaux, ça dormait un peu. Voilà, c'est fallait les rêver pour aller au studio. Voilà, fallait toujours être derrière. Et tu vois, moi, j'étais le plus petit du groupe. Le plus déter aussi, non? Voilà, j'étais le plus petit et plus déter. Donc, c'est-à-dire toujours courir derrière eux. Moi, je pouvais pas tout le temps le faire. Donc, après un moment, on a fait une pause entre temps. Tout le monde est parti travailler de son côté. Moi aussi, j'ai fait pareil. Je suis parti en vacances et c'est là que j'ai fait la vidéo en même temps. Et du coup, ils t'ont pas rappelé les anciens du groupe? Si, si, forcément, ils m'ont rappelé. On donne de la force. On donne de la force. Par exemple, au concert, tu vois, ils étaient là la première partie, tout ça. Mm-hmm. Voilà, j'essaie de les ramener un peu partout avec moi aussi. Donc, ça va, tu gères le truc. Alors, justement, depuis que tu as posté ton premier afro-trap, tout a été très vite. Hein, donc, comment tu gères tout ce gros buzz médiatique autour de toi? Ah, au début, c'est chaud à gérer. Hein. Au début, je suis pas habitué à tout ça. Moi, au début, moi, je suis juste habitué à mettre mon son sur YouTube. Et ensuite aller rentrer chez moi, tu vois. D'accord. Mais après là, tout ce qui est promo, showcase, concert, tout ça, voilà, faut s'y habituer. C'est difficile. Là même, ça s'entend en ma voix. Arriver à l'heure, c'est difficile. Hein? Arriver à l'heure, c'est difficile. Ah, c'est là. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Oui. je te taquine. Bon, au final, MHD, on te connaît pas vraiment. Hein. Donc, en plus, je suis tombé moi sur la bac du 19, justement, il y a pas très longtemps, et chercher des infos sur toi. Il me dit, ouais, vous connaissez MHD. Donc, on va remplir ta fiche d'état civil avec Inspecteur Mike. C'est parti. Moi, c'est moi. Donne-moi ton nom. Hein? Ton nom. Sila. Prénom? Mohamed. Date et lieu de naissance? 10-09-94, La Roche-sur-Yon. Situation de famille? Célibataire. Enfant? Ouais. Adresse de domicile? Non, je rigole, j'ai pas d'enfant. Réagis pas, lui. Le flic de base. Oh, tu parles pas à la police? Excusez-moi, monsieur l'agent. Adresse de domicile? Rue des Chauffourniers, Cité Rouge, 19e. Dis pas tout. Adresse professionnelle? Adresse professionnelle. T'as des bureaux? J'ai même pas de bureau. Tu n'as pas un bureau chez moi, mon frère. Casier judiciaire, monsieur. Vierge. Oh, casier judiciaire, monsieur. Oh, tu parles ou pas? Ah, mon casier, il est vierge, moi. Et une dernière question. Ouais. T'étais où la nuit du 14 au 15? 14 au 15? J'étais où? Je vais peut-être être en showcase ou en concert. T'es sûr de toi? Ouais. Si je me trompe pas. Ah non, le 15 avril. Ouais. Moi aussi, j'étais au concert parce que c'était la date de sortie de mon album. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Ah. Merci. Ouais. À toi, allez, restez connectés, on est toujours avec MHD. 6h-9h. Good morning, Safran. T'as pas été trop impressionné par l'inspecteur Mike? Non, même pas. De la part que du 20-1, de la part que du 19. Comment ça, t'as pas parlé de moi? Avec un accent du sud. Oh, Robert. Pourquoi quand on imite la police, on fait l'accent du sud tout le temps? Parce qu'il y a que des Marseillais à Paname. Ouais.
Et puis il a été validé par Pierre Niney, comédien et tout. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Acteur, donc voilà, on lui donne du truc. Respecte-moi. Bien sûr, on est toujours avec notre invité de ce matin, MHD, pour son album. MHD, ça y est, il est dans les bacs depuis le 15 avril. Et je te le disais, MHD, Alex de Nassarus est notre geek sûr. Et donc il t'a scanné un peu sur les réseaux. Ouais, enfin, je suis allé voir ce qui se passait un peu sur toi, sur les réseaux sociaux, notamment sur les tiens. Alors déjà, tu pèses pas mal sur le net. Hein. 200 000 abonnés sur Insta. 33 000 sur. Non, 205. Excuse-moi. Le gars est précis. Mais moi, je suis allé voir hier soir. Du coup, entre-temps, t'en as récupéré 5 000. Tu vois, c'est beau. Sur Twitter, 33 000, moins bien. Ouais. Ouais, ça t'intéresse moins, Twitter. Non, sur Twitter, c'est chaud en fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut tuter tout le temps. Faut toujours tuter. Et moi, j'ai la flemme de tuter. Et 230 000 fans sur Facebook. Ouais. Propre, hein. Propre. Bah ouais, mais là où tu fais très mal, c'est sur YouTube, puisque t'as déjà accumulé 70 millions de vues, alors que ta chaîne a été créée il y a seulement 7 mois. Tu te rends compte, il y a des YouTubeurs qui rament, qui triment pendant des mois et des années pour avoir ça, et toi, en 7 mois, 70 millions de vues. Tu surveilles un peu les compteurs ? Non. Tu t'en fous ? Non. Je regarde même pas les vues sur YouTube. Ok, et en fait, si les gens ils viennent me voir, ils me disent ouais, c'est bon, là t'as fait 15 millions, ouais, t'as fait 20 millions, t'as fait. Donc là, t'es au courant, t'as fait 70 millions quoi. Ah là, je suis au courant. D'accord, ok. Et en cherchant des infos sur toi, sur le net, le sujet qui revient le plus souvent après la musique, c'est bien sûr le. Le foot. Le foot. Eh ouais, évidemment, le foot. T'es un grand fan de foot, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, t'es pas un fan historique du PSG. Non. Comment ça ? Bordeaux, c'est quoi cette histoire de Bordeaux ? Bah, je suis pas né à Paris, moi. Je sais, mais pourquoi Bordeaux ? Bah parce qu'en gros là je suis nana à La Roche-sur-Yon. Mais La Roche-sur-Yon c'est à 3 heures de voiture de Bordeaux. Ouais mais même il y avait une grande partie, c'était des supporters de Bordeaux, mon père était pour Bordeaux. Ah ok, donc c'est l'héritage familial. Voilà quoi. Dès qu'il est revenu sur Paris, il avait encore les maris de Bordeaux encore et moi j'ai suivi directement. Ok parce que géographiquement t'es... Vas-y. Je voulais savoir à quel âge il était arrivé sur Paris. À quel âge Je suis arrivé à 2 ans. Oh, attends, ah, dire jusqu'à 2 ans. Jusqu'à quel âge t'as vécu Moi j'ai grandi avec Bordeaux dans la tête, moi. Toujours Bordeaux. Pourquoi c'est pas Bordeaux, c'est la Champions League alors ouais. Parce qu'après, après, c'est là que je commence à capter que voilà, j'ai. Ça passe mieux je suis avec dans Paris. La capitale, c'est un stratège. Bon, en tout cas, le foot ça te poursuit puisque beaucoup de joueurs dans le monde entier célèbrent leur but avec tes pas de danse par exemple. Ça c'est les joueurs du PSG dans leur vestiaire. Alors c'est qui le premier qui l'a fait ? Qui a commencé à danser sur tes mouvements ? Le premier joueur ? Ouais. Que t'as vu en tout cas ? Le premier joueur que j'ai vu c'était, c'était Rabiot. C'est Rabiot hein. Et depuis tout le monde s'y est mis. Donc il y a eu Adrien Rabiot du PSG, Lacazette de Lyon, Cheikh Diabaté de Bordeaux, les jeunes d'Arsenal, du Bayern. Ils s'y mettent tous. J'ai aussi vu sur ton Insta que Gerson Cabral, donc le joueur du FC Twente aux Pays-Bas. Moi je le connaissais pas le gars. Tu le connais, c'est ton pote? Non, je l'ai rencontré en plus quand je suis parti en concert là-bas à Rotterdam. D'accord. Voilà, il est venu directement, on s'est vu là-bas aussi. C'est et bon lui ça, aussi il fait tes moves. Et le joueur que tu fantasmerais de voir faire tes moves après avoir marqué un but? Neymar. Neymar. Okay. Neymar, mais c'est bien. C'est pas bon. Y a Pogba aussi qui le fait. Ok. Neymar, on attend. S'il signe au PSG, il le fera forcément. Il y aura peut-être moyen. Mais j'y crois pas. Merci, Alex. Et sans transition, c'est parti directement pour le contre-la-montre. MHD qui est toujours parmi nous. Contre et Zemizi, c'est parti. C'est parti. Le premier truc que tu fais en te levant. Je me brosse les dents. La première personne à qui tu penses ? Ma mère. Le truc que tu regardes à la télé que tu n'assumes pas ? Bob l'éponge. Le surnom que tu avais quand tu étais petit ? Cafou. Ton pire défaut à l'école ? Grincheux. Le jeu auquel tu préfères jouer ? 8 américains. La pire sape que tu aies chez toi ? Salopette. Le truc dont tu ne pourrais pas te passer. Merci pour Black M. Le truc dont tu ne pourrais pas te passer. Chicha. La pire connerie que tu aies faite. En élémentaire quand je suis rentré à 3h du matin. Le truc que tu préfères physiquement chez toi. Mes yeux. Ce qui te fait rire le plus dans la vie. Les chutes. Ta phobie. Les souris. Ton chiffre fétiche. 10. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire. T'es trop beau. Tu te vois où? C'est vrai. Tu te vois où dans 10 ans? Avec ma famille, ma femme, mes enfants. Le plus beau cadeau qu'on t'ait fait? Mon plus beau cadeau. On m'a jamais offert de cadeau. Le mot que tu utilises le plus souvent? Harry. Le dernier film que tu as vu? Les visiteurs. Le pire SMS que t'as envoyé? Un point. Un point ? Ouais, oh, juste un point. Ah, ça fait mal. T'étais fâché. Terminé le point final. Ouais, juste un point. Le truc que je t'ai pas demandé que t'aimerais bien nous dire.
Le truc quoi ? Tu veux nous dire un truc ? Le truc que je t'ai pas demandé mais que t'aimerais bien nous dire. Je sais pas quoi dire. Good morning, Sofran. Ça passe, ça passe. Donc ton AKA quand t'étais petit, c'était Cafou. Ouais. Ça vient d'où ça ? Ça, c'est une longue histoire de ouf. Bah, on a tout notre temps, tu peux y aller. Non, si tu veux, vas-y, lance une petite pub, t'inquiète pas. Mais ça veut dire quelque chose, Cafou ? Non, en fait, ça vient de mon deuxième prénom, en fait. D'accord, très bien. Et ton père, des fois à l'école, grincheux. Ouais. Je souriais jamais. Bon, ça a changé parce que maintenant tu souris tout le temps et tu donnes même le sourire aux gens. Non, là, ça va, je crois, André, je me force un peu à sourire. Showbiz, mec, il va venir parler. C'est bientôt les enfoirés. Ouais. Bon, il est pas venu en salopette en tout cas ce matin, il est très bien swagué. On est toujours avec MHD parmi nous. Réagissez, MHD sur Move. On est toujours avec MHD sur Move. Hein. Son album est dispo depuis le 15 avril. Vous le savez, MHD, c'est le phénomène afro-trap. Il est en train de tout rafler en ce moment, et l'un des buzz d'Afrotrap, c'était l'Afrotrap 3 en mode Champions League. Hein. On nous disait depuis tout à l'heure, MHD, t'es fan de Te Fou. Et ouais, donc là, on s'est dit pourquoi pas faire le remix de l'hymne de la Champions League. Le vrai ? Le vrai. On va faire le remix afro-trapisant de l'hymne de la Champions League. Allez. Le vrai, avec MHD. Et je pense que tu vas avoir un petit featuring avec toi de Willax en soutien. Vas-y, on va aller au charbon, easy. Mais en plus, MHD, il connaît par cœur les paroles de la Champions League. Donc, là, tu les connais par cœur, n'est-ce pas? Écrit en bambara. Donc, c'est parti. Are you ready? Ah, je suis prêt. MHD en mode Champions League. Pour de vrai, c'est maintenant. Ce sont les meilleurs, meilleures équipes. Chin, 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 si, kai, li. Merci. Ça démarre. Ce sont les meilleures équipes. Sanchez d'abord, je te demande, je t'aime. C'est main de bête. D'ailleurs, mon star du best end. Les meilleures équipes. C'est champion, une grande réunion. Et une grande sport flish. Il y a de l'allemand. C'est chaud, c'est chaud. Ce sont les meilleurs. Sanchez d'épine et les best end. Vers un champion. DRM star, DRM best end. Les meilleures équipes. Je peine des MS star de best end. Les meilleures équipes. Je fais des champions. Pogba, Griezmann et Coman. Cristiano Ronaldo et Messi. Aguero, De Bruyne et Zidane. Zidane qui craque son pantalon. Validé. Donc voilà, l'UEFA Euro 2016, appelez-nous si vous voulez le remix officiel de la Champions League. Le remix officiel de la Champions League avec MHD, c'était lourd. Mais il y a de l'allemand là-dedans. Il y a de l'allemand, oui, il y a rappé en allemand. Là. C'est chaud. Mais j'ai jamais capté. Et en français. Sein Sie die Besten, c'est pas du Bambara. Hein. Non, j'avoue. Il va faire la vaisselle un peu. Validé. Ah bah oui. 6h-9h. Good morning, Sofran. Peut-être sur ton prochain album, MHD, ce remix. Ouais. Je tiens à dire qu'il y avait une prod de choix réalisée par DJ First Mike. Ah, c'est pas Kanye West. Il l'a fait comme ça, vite fait. Il nous a fait une trapisation de ce titre. C'était lourd. MHD pour Mohamed, comme nous l'a dit MHD, ou MHD comme musique haute définition, comme l'a dit tout à l'heure Willax. C'est pas mal ça. Est-ce que t'en as beaucoup des EKA comme ça avec MHD ou tu restes sur Mohamed ou, Je suis au bled, dès que je suis parti au bled avec. Avec Black M, on m'a déjà appelé HDMI là-bas. Ah ouais, HDMI. Pas mal HDMI. Péritel. Bon, tout de suite, non. On passe en mode mytho, pas mytho, mon cher MHD. Donc on t'écoute, raconte-nous une histoire et ce sera à nous de savoir si c'est vrai ou, pas, ou faux. On va essayer de deviner ça. On t'écoute. Ouais, bah vas-y, c'était au printemps de Bourges. Voilà, il y avait la liste des artistes qui devaient passer. Et moi, j'étais avant-dernier. Et du coup, et en fait, ils nous laissaient faire. Genre, on devait être autonome. Genre, mon DJ devait partir lui-même s'installer et mettre le son. Et genre, mon DJ, il a sauté une personne. Il a sauté une personne, c'est-à-dire il est monté sur scène. Un peu trop tôt, quoi. Un peu trop tôt. Et genre, moi, c'était pas mon public à moi, normalement. Donc, c'est-à-dire, le DJ, il va s'installer, tout ça. Il commence à mettre la clé, tout ça. Et là, il commence à mettre le signal comme quoi je dois aller sur scène. Et là, une fois que je vais sur scène, ben là, quoi, c'est pas mon public. Hein. C'était un public de rocker un peu. Et en fait, moi, sur le coup, j'ai pas capté, moi, sur le coup. C'est à partir du troisième son, mon manager, il me fait signe sur le côté. Il me dit, ouais, on est trop à l'avance. Et après, là, j'ai commencé à regarder le public un peu. J'ai vu, il connaissait pas les paroles.
Et là, c'est vu que j'avais merdé un peu. Ils sont bizarres, ils sont pas chauds aujourd'hui, voilà. C'est ça. Après, ça va, tu vois, après au fur et à mesure des musiques, tu vois, ils suivaient le mouvement un peu et voilà, après, ils ont kiffé. Bon, alors, mytho ou pas mytho, non, pas à mytho, nous deviner autour de la table, à savoir, est-ce que MHD a fait danser le public de rockers en mode afro-trap, en fait? Moi, je pense alors, que c'est vrai. Toi, tu penses que c'est vrai? Pas mytho. Alex. Pas mytho pour Alex. Amy, pas mytho. Tu poses même pas une question, ok. Bah non, je pense que... Mm-hmm. Mike. Moi, je dis énorme mytho. Énorme mytho pour DJ First Mike. Alors moi, personnellement, nous avons un rocker ici dans notre équipe et j'y crois grave, il danse beaucoup le Zougoulou. Donc, pas mytho. Pas mytho. Donc ça fait 3 pas mytho et un mytho pour Mike. Moi, j'ai quand même une question à poser avant de donner ma réponse. C'était qui le groupe de rock qui devait monter? Et moi je connais pas le nom des groupes de rock moi. Mais la plupart des artistes qui sont là-bas, moi je connaissais pas, je connaissais que Alpha One et Panama Bende. Ah là, par rapport à ce qu'il vient de dire, je me dis bon, ça sent le pas mytho, donc je vais dire pas mytho. Ça fait 4 pas mytho, 1 mytho pour DJ First Mike. Alors MAG, quelle est la réponse? C'est un gros mytho, mon vieux. Oh Il les a endormis. Il mélange pas les groupes dans les plus gros défauts, c'est mytho. Hein. Comment t'as fait pour deviner, Mike? Mais il mélange pas les groupes dans les festivals à Bourges, tout ça, il mélange pas les groupes. Ah, il est bon. Bon mytho, bien wesh, MHD. Allez, restez connectés sur Move. Et on est encore avec MHD pour quelques petites minutes encore avant de se dire au revoir. On a quand même des questions auditeurs via le hashtag MHD sur Move pour toi, MHD. Alors, il y a vite fait un big up. Hein. C'est Funky Fresh qui dit: je travaille dans un gros cabinet d'avocats. Hier encore, on s'ambiançait sur Champions League au max MHD. Puis il y a Laura qui a posé plusieurs questions. Et entre autres, elle voulait savoir quel est ton rêve. Mon rêve? J'ai pas de rêve en particulier. Hein. Tu kiffes en ce moment même. Je kiffe ce que je fais. Voilà, en ce moment, je suis heureux. Voilà, j'ai quitté mon taf de livreur pour devenir rappeur. Si t'arrêtes le rap, tu retourneras pas au taf de livreur, en tout cas, je pense. Hein. J'envoie un texto à mon patron direct, je dis ouais, je reviens direct. Non, non, voilà, voilà. Il y a une pizza à ton nom maintenant. Hein? J'avoue, une pizza à ton nom. Moi, je vais faire une pizza à mon nom, tu vois. La MHD, tu vois. Bah oui. Hop, en vite fait. Non, franchement, voilà, ça s'est passé très très vite. Donc voilà, en ce moment, voilà, je peux que être heureux. Eh bien, merci à toi, en tout cas, MHD, d'être venu nous voir ce matin dans Morning Sofran. Tu reviens quand tu veux. Disque d'or. Hein. Bienvenue, disque d'or. Bah oui, disque. Ah ouais. Non, je sens le disque de platine bientôt. Mais là, et peut-être le disque de diamant. Ah ouais, c'est le cadeau. Ça, c'est bientôt. Un cadeau. Mais il est disque d'or, effectivement. Gros big up à toi. Félicitations, MHD. Le mot de la fin? Bah, merci à vous. Hein. Merci à vous. Je suis venu, j'ai fait le move, je me barre. Et merci à toute la team Sofran, merci à Clément et Xavier, toute cette semaine à la réal, ils ont déchiré, merci à Augustin, à Harry. Vous écoutez Move. Move.